Yo les gens, c'est Poulpi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online sur PS4, une petite vidéo tranquillou pour vous expliquer que j'ai créé un crew sur PS4. Alors donc le gameplay, eh bien c'est une petite course en AirTag. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein. C'est une course de CCC 010, je sais pas quoi là, c'est un créateur, je suis très content de tester ces courses, parce que je le connaissais, mais je pouvais pas, comme j'étais pas sur PS4, bah d'accord, ça commence bien, comme j'étais pas sur PS4, je ne pouvais pas faire, si vous voulez, ces courses. Donc du coup, maintenant je suis sur PS4, je peux enfin tester les courses de CCC, et je vous conseille, pour ceux qui adorent les courses vraiment bien foutues, et bah, d'apprendre à connaître ce créateur, c'est un très très bon créateur sur PS4. Cette petite vidéo pour vous annoncer donc que j'ai créé un crew sur PS4. Pourquoi je crée un crew sur PS4 et pourquoi je n'en ai jamais créé, vous me direz, sur Xbox One? Tout simplement parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de monde parmi mes abonnés qui jouent à GTA sur PS4 que sur Xbox One. Donc sur PS, sur j'ai sur attendez, attendez, ouh là là, c'est quoi ça? Mais ouh là 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 là! Attendez, 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 attendez. Oh là là, je m'en sors, je sais pas comment. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Faut que je me concentre en même temps sur la course parce que c'est pas, c'est en live. Hein. C'est en live, donc voilà. Qu'est-ce que je... Oui, donc sur Xbox One, on n'était pas beaucoup. Donc je me disais, bon, ça valait pas le coup à la rigueur de faire un crew. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que sur PS4, ça sera pareil. Hein. Mais en tout cas, sur. Alors attendez, faut aller où là? À droite. Attends, je suis un peu paumé là. Alors, attendez, là, ça y est, quand je comprends plus rien, moi, attends, il est où le point? Il est là-bas. Ah d'accord, fallait aller là en fait. D'accord. Sur PS4, j'ai l'impression que vous êtes, enfin, déjà vous êtes plus nombreux à me suivre sur PS4 que sur Xbox One, ça c'est clair. Mais bon, surtout qu'est pas forcément sur GTA. Donc je tente le coup. Voilà, je crée un crew sur. Oh là là, c'est terrible ça. Le délire. N'importe quoi, je te jure. Et je tente de créer un crew sur PS4 pour comme ça sera plus facile pour vous. Si vous voulez faire, parce que pendant mes lives, je vais souvent, enfin j'espère en tout cas, si les gens sont motivés ou pas, ou moi-même si je le suis, je vais essayer de créer des lives en fait, enfin des pitlists, toi, sur GTA pour mes lives, tout ça. Donc si vous voulez me rejoindre, ça sera forcément plus sympa et plus facile surtout de me joindre si on fait partie du même crew. Donc voilà, si vous n'avez pas de crew, si vous ne savez pas aller dans quel crew aller, et bah rejoignez le crew. Donc le crew s'appelle les Poulpes GTA. Vous allez sur le Rockstar Club, là, le site de Rockstar. Et puis normalement, vous devriez pouvoir tranquillement rejoindre le crew. Voilà, bah moi j'ai fini ma course. Encore une fois, je mettrai sans doute l'adresse du crew en lien dans la description de cette vidéo. Vous allez dessus, vous vous inscrivez. Si vous voulez m'ajouter un ami sur le Rockstar Club, enfin ouais, c'est ça, le Social Club, voilà, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Ben, n'hésitez pas à m'ajouter un ami, hein, y a aucun problème. Et puis bah voilà, j'espère que vous serez plusieurs à vouloir jouer avec moi sur GTA pour faire des courses, des activités, des cache-cache. J'aime bien jouer à cache-cache. Voilà, des choses comme ça peut être très très sympatoche. Voilà, sur ce, je ferme mon clapet, je vous dis à très bientôt sur GTA Online. Ciao les gens, bye!